Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 17ème épisode je crois sur Pokémon Emerald. Donc en fait là on est dans la tour Mirage. En fait il fallait parler un Pokémaniac, un maniac des fossiles à TK et j'avais oublié de le faire. Et du coup là je l'ai fait et le Pokémon que je voulais est apparu. Donc lui il sera sacrément utile. Un crack noir. Crack noir. J'ai appelé casse-noisette. On va casse-noix puisqu'il n'y a pas la place pour casse-noisette. Là je vais utiliser les super repousses que j'ai acheté. Je vais aussi enregistrer le vélo. Non c'était pas ça, je voulais enregistrer. Je sais pas comment t'as fait pour rester. Monter avec ton vélo. Alors quand tu descends par un trou, tu perds ton vélo et quand tu... Ah oui, mais ça va être... Ah ça va être chaud, ça va être chaud patate. Je joue avec le... un joystick et du coup c'est assez dur de maîtriser le truc. Je pense avec un clavier ça passerait beaucoup mieux mais vous voyez j'arrive quand même. Donc sac super repousse utiliser, voilà, comme ça on n'est pas gêné. Donc on peut le casser avec les clanocs. Voilà, c'est fait. Et maintenant, fossile griffe ou fossile racine, je préfère le fossile griffe personnellement. Donc je prendrai le fossile. Griffe, pas le fossile racine. Bon. Bon bah. Tremblement de terre. Tremblement de terre, j'ai pris un fossile, j'ai rassé un fossile et du coup ça a produit un tremblement de terre. Et le fossile racine a disparu. Donc là. On a fait ce qu'il fallait faire. Pour l'instant, je vais pas prendre le craquenot tout de suite. Sauf si j'ai un slowly dans mon équipe. Ouais, bah Marshmallow, tu vas t'en aller et je vais te prendre. Je vais te prendre craquenoir. Voilà donc là. Marshmallow. Il est apparu. Donc là on voit qu'il y a pas mal de... Il y a pas mal de Pokémon. On en a déjà perdu 4, ce qui est énorme mais bon. Effet de repousse sun ici, ça c'est bien. Je vais pas rester avec du repousse
durant toute la partie. Petit piège pour les mains, pour le champ pipi, cache-moi et le mode de jeu. Je trouve que c'est une bonne équipe. Après, Bouboule, je la remplacerai par notre Pokémon à l'avenir. Linéon contre Petit Piaf. Bon bah, Petit Piaf, tu vas pas rester longtemps parce que j'ai oublié de te mettre le PP. Nécessaire. Donc Pokémon, je vais mettre Champifié en première position. Avec sac. Non, pas super potion. Super potion. Mais c'est pas terrible. Mais bon. Pour résumer, niveau les canons. Ah oui, au niveau défense, c'est cher. Clairement. Par contre, au niveau point de vie, un peu moins. Ouais, je vais mettre les gens en première position, on n'en parle plus. Et puis... qu'on passe rapidement un peu tout ça. Faut qu'on shoote à peu près tous les Pokémon qu'on rencontre. Comment ça manque pas mal de PP. Mais je vais pas revenir jusqu'au 100 Pokémon exprès pour ça. Donc là, un Pokémon. Bah, c'est bon. Je vais l'éviter, puis voilà. Il apporte pas grand chose. Pokémon. Pokémon plante lui aussi. Les deux avaient des Pokémon plantes. Après, faut prendre le chemin du haut parce que... moi, je vous montre. Vampigrane, bon bah tant pis, tu vas subir un pic-pic et puis voilà. On va plus en parler toi, ça fait du x4 au lieu du x2 et... tant pis, c'est pas stabé, mais ça tue quand même. Voilà. Ok, d'accord. Donc Pokémon, je vais m'envoyer pour les mains en première position. Ah, c'était un combat double. Je me rappelais plus de ces lignes. Clairement, je m'en rappelais plus. Ah, une serre parasol, ok, d'accord. Et un poisson. Alors. Plume et Melchi. Ils sont partis. Voilà, donc après, je fais un éclair. C'est même pas éclair, c'est étincelle maintenant. Ça frappe beaucoup plus. Donc dans l'aventure, on va bientôt rencontrer la... La team à quoi ? Qui s'intéresse à quelque chose dans le site de météorologie, je ne sais plus trop quoi. Ah oui, pour qu'il pleuve, c'est bon. Donc, lui... oh non, mais lui, je vais quand même le battre. C'est un ornithologue.
fait de l'expérience facile. Donc Polymon Go. Oh non mais Ultrason, vas-y. Polymon est confus. Ça me laisse dans sa confusion. Bon, heureusement qu'il y a une bonne défense. Et une bonne défense spéciale aussi. Normalement une fois qu'il sera évolué, il n'y aura vraiment plus de problème à se faire renouveler. Du... Coup de critique, ça va. Et en plus paralysé. Que demander de mieux. Et il ne fait même pas une attaque. Esquive baisse. Qui on a eu de la chance au niveau du troupier, s'il ne faudrait pas que je l'oublie celui-là. Bon, le champion de l'arène doit avoir 4 ou 5 Pokémon, je sais qu'il y a la armure, Bekipan. Voilà, donc il y a la Tumaco qui nous bloque la route. Armure, Bekipan, Tropius, Altarion, donc ça fait 4. Je crois pas qu'il y ait d'autres Pokémon vol. Ah si, il y a Edledel, voilà, ça fait 5. Carvana, tu vas vite partir aussi vite que t'es... arrivé. Voilà. Ah, la puissance. Par contre, c'est énervant, pour les mains, il est long. Pour les mains, il est long. Attends, vous êtes sérieux? Tincelle, c'est physique? Électrique? Non, ne me dites pas ça. Ne me dites pas que les attaques électriques, c'est physique quand même. Attaque spéciale. Ça a l'air de trop. Quoi, c'est physique? Je comprends plus rien. Si l'électricité c'est physique, on est mal. Hein. Ça c'est un truc qu'il faut que je regarde avant de... On va le faire n'importe quoi. Pourtant si c'était physique, on aurait pas one shot là. Là non plus. Donc c'est vraiment spécial, mais pourquoi Posture a affecté l'étincelle? Ouais, Posture ça influence sur le contact, donc peut-être que leur étincelle est considérée chez contact. Je ne sais pas comment, mais bon. Ça fait une étincelle, donc ça donne... un choc entre les deux Pokémon, donc je comprends. Polymon et un... Et un mille de jeu. On va se faire. Massacre. J'espère qu'il n'y aura pas de mort quand même. Comme aux épisodes. Comme la dernière fois où on avait battu le mec de la Team Magma. Normalement il n'y a pas de problème. Hein. Pour les moments il peut tout tanker. Il
a vraiment tout tanké, MLG est niveau 40, ça fait des niveaux d'écart, même si en Sharpedo il peut résister en coup plus ou moins. Et je sais vraiment pas à quel niveau il évolue. Bon bah maintenant on sait. Bon, lui ça sera l'outil principal lors de la 6ème arène. Si ce n'est le seul Pokémon qu'on va utiliser. Votre Polymon évolue en magnéton. Il est devenu encore plus poli. Ok d'accord. Donc là normalement pas de problème. Tous les Pokémon qui passent passent à la casserole. Faut que je surveille les PV d'étincelle. Là ça passe à la casserole. Neuf Serapti à peine venu, tu vas partir. En plus, ce qui est bien avec son évolution, c'est qu'il perd sa faiblesse en niveau. Point de vie. Il perd le fait qu'il n'ait pas beaucoup de vitesse. Donc il devient vraiment balèze. Si on regarde bien Pokémon Polymon par rapport en défense, il a une défense quasiment aussi grande que celle des MLG qui a 10 niveaux d'écart. Défense spéciale, attaque spéciale, il gagne et gagne en attaque, ça c'est pas terrible. Il gagne pas tellement en vitesse que ça en fait. Si on regarde pour les Eden ou Chapignon. Non. Je vais utiliser deux super potions. Une sur Petit Piaf, une sur Mel de G. Même s'ils ne vont pas s'avérer très utile. Et que je suis en manque absolu de PP un peu partout. Tu veux m'apprendre la vie. Carvana est envoyé. Donc ça va faire étincelle. Voilà. J'avais peur d'un futur Sharpedo, mais ouais. Ça va, et Granina, pas de problème à se faire. Ce n'est pas très efficace sur Acier, donc pas de problème. Et par contre, c'est Ventardise. Non, Ventardise, il faudra que je le switch. Quoi qu'il a beaucoup de défense, et donc on peut espérer. On peut espérer que ça marche. Aussi. Donc là, on a fini avec ça. Ok d'accord, donc on apprend que la Team Magma se dirige vers le Mont Moria. Ah merde, fallait que je le... Bon, tant pis. Tant pis, je l'ai pas surnommé, c'est chiant. Donc la Pokémon... Oui merde.
avant de se diriger vers là, il faut aller soigner les pauvres petits Pokémon. Je crois qu'il y a un PC là. Oui, il y a un PC. Donc on va procéder au soin des Pokémon. Voilà. Hop. Mais pourquoi je les déplace dans le PC, vous me dites? Parce que le PC est doté d'un pouvoir absolument merveilleux qui est de soigner tous les Pokémon qui y rentrent. Même si c'est un peu long, il y a le rival qui est juste après. Et donc, vaut mieux se méfier. J'aimerais pas avoir du style une mort à cause du manque de PP un peu par-ci par-là. On se rappelle que il n'a pas Arco, mais bien Gobou. Donc normalement Petit Piaf devrait faire l'affaire. Et on va prier pour que aucun problème. Donc c'est parti. Lunar, où étais-tu? Je te cherchais. Tu as beaucoup progressé, laisse-moi faire. Vous êtes prêts? Les Pokémon et toi, évidemment. Alors c'est parti. Que le carnage commence. En plus, toi tu triches. Les Pokémon ils meurent pas directement quand ils tombent KO. Ça commence comme ça. L'ombre. On peut dire au revoir. Donc là, pas de problème. Polymon Monty niveau 31. Mille Magma. Faut que je me rappelle, il a bien éboulement. Amnésie. Ah, ça va, ça va, ça va. En défense spéciale d'unique magma augmente beaucoup, donc je vais faire un aile d'acier. Pourquoi je fais aile d'acier? C'est simple, pour la petite chance que l'attaque monte, mais ça s'est pas produit. Et là j'espère qu'il va pas me faire un éboulement. Et pas de coup critique, j'espère. Sinon, je crie. Voilà, y a pas de problème. Pas de problème, on est tranquille. Un cadeau pour moi, on a 16 vols. Donc là, ça sera beaucoup plus facile pour moi d'aller à droite à gauche, récupérer des trucs. Oh non, mais je me rappelais plus de lui. Donc on arrive direct à la ville, là. Directement. J'aurais aimé que ça soit directement et pas que je tombe sur un ninja qui semble avoir des smogos un peu partout, des bombes. Ninjask. Chouette, il y a Ninjask. Petit Piaf, je vais te switcher. Attendez. Résumé.
Je voulais voir s'il avait l'attaque qui attire les attaques électriques. La capacité spéciale qui attire les attaques électriques. Pour voir si je pouvais tranquillement garder mon petit piaf ou non. Et j'ai bien fait de le scotcher. Donc c'est super efficace. Ok, il n'y a pas de problème. Au lieu de faire l'étincelle, je vais faire un semi-boom. Voilà. Ok. Mais le jet est déjà bien avancé. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et regarder les autres vidéos. Merci et bye.